Bonjour à tous, c'est Zoukator, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire de la forge magique bénéfice sur l'amulette particulière Camasterisk en mode focus. Donc j'en ai pris 3, j'ai crafté 3. On va essayer de faire des jets pour être rentable. On va essayer de chercher des gros jets en over vitalité. Voilà, la dernière fois j'avais essayé de faire une vidéo comme ça. Sauf que j'avais pas de chance. Il m'a fallu environ 20 tentatives pour avoir un repassage. Donc bon, j'ai annulé le truc. Et là, je le refais là un peu plus tard. Donc on est parti avec 3 premières tentatives. Celle-là, je vais la garder pour la fin. Allez, peut-être qu'on va avoir beaucoup plus de chance et que les 3, ils vont repasser d'un coup. Qui sait? Allez. Non, pas de succès. Le deuxième, full perf, moins 1 de sagesse, moins 1 de vitalité. Ok, non plus. Et peut-être au moins un crit. Ok, ben en fait la dernière fois ça avait fait ça. 3 échecs comme ça pendant 4, 5, 6 vagues en fait. Donc bon, je vous reprends à la prochaine vague. Allez. Ok, pour la deuxième vague, nos 3 amulettes sont là. On a un excellent jet là par contre. Vous verrez. Allez, c'est parti. Première amulette. Full perf. Non. Moins 2 de vitalité, moins 2 de sagesse. Le reste, ouais, full perf. Pas de PA. Deuxième amulette. Moins 1 de vitalité, moins 2 de sagesse. Le reste, full perf. Allez. Ok. Ok, on a un PA. Merci le jeu. Merci. Parce que là, ça commençait à devenir inquiétant quand même. Par rapport à l'autre fois aussi. Et la dernière amulette. Ouais, il faut que ça passe sur celle-là plutôt. Hein. Allez, on souffle un bon coup. On va faire le compte à rebours parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas faite. Over 92 de vitalité, moins 2 de sagesse. Full perf, full dos, tout ça. Allez. 4. 3. Je ferme les yeux. 2. 1. Je clique. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Allez, j'ouvre les yeux. Ah, putain, c'est pas passé. Ah, ça, ça fait mal. Bon, au moins, j'ai eu un succès. Voilà, il est là. Allez, on continue, du coup. On est parti avec la troisième vague, normalement. On commence avec la moins bonne. On a une amulette en over-vitalité et une amulette classique. Voilà, ça c'est le classique. Il manque juste un de sagesse. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? Non. Allez, juste celle-ci et on est très très bien. Allez, 3, 2, 1. Et ben non, rien du tout. Ok, bon, 3 ravis dans le vent, ça veut dire que ça ne passe pas, mais peut-être que ça va passer pour les repassages. On commence avec celle-ci, du coup. Est-ce qu'on a le PA? Non. Alors là, il faut que ça passe. Celle-ci, elle est juste full perf. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on a le PA? Ok, dernière vague pour ce soir. Je crois que c'est la sixième vague. On va commencer avec le premier jet en full perf. Moins 1 de sagesse. Allez, 3, 2, 1. Pas de PA. Comme c'est bizarre. Je m'y attendais pas du tout. Et la deuxième. Bon, on a un over vitalité, mais je suis pas trop fier de la sagesse. Est-ce qu'on a quand même le PA? Ah, bah voilà, putain, ça nous rentabilise un petit peu. Ça, ça fait plaisir par contre. Heureux pour la dernière amulette. Voilà ce qu'on a obtenu. Un très bon jet là, 355. Donc pour peut-être avoir un 505, qui sait. Donc 2 de sagesse. Et j'ai 4 tentatives ravies à poser tout de suite. Allez, c'est parti. Ok, une qui passe en crit, ça c'est... Ouf. Heureusement, ça sauve un petit peu la mise là. Allez, peut-être en 455. Bah, que dalle.
Que dalle! Allez, on va enlever l'excès du coup. C'est un faux espoir. Ok, oui, évidemment. Allez, le 400 tout rond. Allez, le 400 tout rond. Ok, nickel. Parfait. Allez, pour le repassage PA maintenant. Donc, c'est un full perf, moins 2 de sagesse. C'est un jet très très clean. Est-ce qu'on a le PA? Eh ben voilà. Nickel. Bon, c'est dommage que j'ai pas eu un over pour le coup. Mais voilà. Première tentative de repassage pour la soirée. Ça passe direct. Donc, je suis comblé. Parfait. Allez, on va voir ça en HDV maintenant. Les trois amulettes ont été validées, hein, du coup. Allez, à tout de suite. Vraiment, c'était mal parti, en vrai, j'ai eu peur. Mais à la fin, ça s'est bien rattrapé. Alors, pour les dépenses, on a dépensé 1 900 000 kama pour les 3 crafts. Et un total de 3 100 000 kama de runes pour les 3 amulettes, encore une fois. Ce qui fait qu'on a dépensé 5 millions en tout pour les 3 amus. Donc ça, déjà, ça c'est une chose. Maintenant, on va voir un petit peu les prix en HDV. Bon, normalement, on devrait dépasser les 5 millions, hein, facilement. Bon, même si c'est pas des jets de malade malade. Ah, là on a un dommage au sort. Mais il manque plein de trucs à côté. Ok, donc là ça commence à s'approcher. Un petit peu. Ça commence à faire un peu de concurrence, on va dire, par ici. Voilà, un 12 dos. Malheureusement, il n'y a pas tout ce qui est esquive. Voilà, là, premier jet, non, 29 de sagesse. Là, on a. Il manque plein de trucs. Ok, voilà, première amulette, c'est celle-ci. Donc, je pense que la mienne, celle qu'on a en face des yeux là, on va la mettre, la première. Ah, 2 millions, bon, un kama, ouais, 2 millions 9, d'accord. 100 000 kama de moins, voilà. Ça, c'est pour la première. Ok, on est d'accord. C'est celle qui est sous mes yeux là. Ouais, c'est celle-ci. Donc 2 millions 9, ok. Hop. Pour la deuxième, du coup, qui est très très semblable, il y a un de vitalité en moins. Bon, je vais la mettre à 2 millions 8. Ok. Vous me dites pour tout ce qui est prix hein, dans les commentaires ce que vous, vous en pensez. 2 millions 8, ok. Et puis la dernière. Ça, c'est le meilleur jet qu'on a. Même si la sagesse n'est pas très carrée, quoi. Allez, là, on va pouvoir descendre un peu plus, je pense. Parce qu'on a un over. Oh, ouais. Tu vois, là, on a un jet très semblable. Attends, je vais afficher le jet. Tac, voilà. On a un jet très, très semblable au mien. Sauf qu'il manque des choses. Très honnêtement, je pense qu'on peut le caler à plus de 4 millions. C'est un 70-70, mais il manque 30, 4 de sagesse. Donc je vais pas pousser le bouchon trop loin. Ouais, je vais mettre à 4 millions 5. Dites-moi ce que vous en pensez. 4 millions 5, ça me paraît convenable. Tac! Voilà. Donc si tout se vend au prix à laquelle je les ai mis en vente, ça nous fait, allez, à peu près hein, 3 millions, 6 millions, 6 millions plus ça, 10 millions 5, 10 millions 5, moins 300, 10, ouais, 10 millions. On va dire 10 millions de kama, 5 millions de dépenses. Donc normalement, ça nous fait 5 millions de bénéfices avec ces prix-là. Donc merci d'avoir suivi la vidéo, je vous souhaite une agréable soirée, c'était Zoukator, ciao ciao.